pour sol. Moi, ce qui me plaît dans ce métier de formateur, en fait, c'est le lien qu'on a avec les stagiaires, différents stagiaires qui viennent de différents endroits. Et c'est de transmettre clairement ma passion pour la corde et les travaux sur corde que je pratique depuis 2005. Du coup, on essaie de transmettre aux stagiaires les gestes et les bonnes pratiques, parce que clairement, c'est eux qui vont nous remplacer dans peu de temps. Et puis voilà, c'est la future génération, on a des nouvelles données sur certaines postures, sur plein de choses, sur du matériel pour qu'on puisse faire une carrière de longue durée quoi, et pas se faire mal au bout de 2 ans ou 3 ans quoi. Moi, j'avais aucune expérience sur corde avant de venir au Greta, donc le Greta, ça m'a tout appris. Et je préfère avoir fait ce choix de la formation longue, parce que comme ça, je me vois vraiment ma progression sur 1 an, et ça me permet de prendre du recul, de revoir avec des formateurs sur des sessions prochaines, et ouais, d'avancer plus sûrement. Aujourd'hui, la formation longue aux techniques d'accès par corde au sein du Greta se déroule sur 1 an. Un débutant qui n'a jamais réalisé de travaux sur corde commence à se former et au bout d'un an, il est en capacité d'être certifié pour réaliser des tâches complexes en sécurité, comprenant des évacuations et des secours complexes. L'objectif, c'est bien de permettre à des personnes d'accéder à un emploi, de le faire bien évidemment en premier lieu en sécurité. Donc il y a un volet assez important sur la prévention qui va être inculqué aux stagiaires. C'est une réflexion en fait globale et qui devient de plus en plus possible dès lors qu'on mature, dès lors qu'on acquiert de l'expérience. Au fur et à mesure de l'alternance, en fait, des périodes de formation et des périodes d'entreprise.